Ils ont parcouru des centaines de kilomètres à pied et ont fait leur entrée dans Madrid ce mardi. Ces mineurs en grève étaient partis le 22 juin du nord de l'Espagne et participent ce soir à une marche nocturne. Ils prendront part ce mercredi à une grande manifestation à laquelle sont attendues 25 000 personnes. Une manifestation qui représentera un temps fort du conflit des mineurs en grève depuis 2 mois. Ils protestent contre la réduction des aides publiques. Nous essayons de défendre nos emplois, dit ce mineur, parce que les mines vont mal. Il y a près de 16 000 à 17 000 personnes au chômage. Nous n'avons nulle part où aller. Ce gréviste fustige les membres du gouvernement. Ils ont ruiné les services de santé, dit-il. Ils ruinent l'éducation et tous les secteurs depuis qu'ils sont au gouvernement, mais ils sauvent les banques. Le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy a décidé de réduire cette année de 63% les aides au secteur minier. Une réduction qui menace environ 30 000 emplois directs ou indirects, selon les syndicats. Le conflit, totalement bloqué, a souvent dégénéré ces dernières semaines en violence dans le nord de l'Espagne.